que j'y aille, maman. Ouais, il faut préparer les jeunes pour le monde d'aujourd'hui. Moi, là, je veux pas payer des taxes pour qu'ils leur apprennent à bien penser. La philosophie, l'histoire, pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent. Ah ben non, autre, il va suivre les traces de son père. Ah, on est bien fiers de notre gars, hein? Il a trouvé sa voie. Nous autres, on a bien essayé de l'encourager, mais il veut rien savoir. Ah. Il n'y a rien qui l'intéresse. Ben, ah, c'est dur, ça. Un jour, on va y faire comprendre. Moi, c'est facile. Ouais, ouais. Max, où c'est que tu vas, là? Max! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le système. Tout est gelé. Il y a des informations confidentielles qui sont disparues. C'est toi qui étais ici quand c'est arrivé? Oui. Il y a combien de temps? 18 minutes. Combien de temps il reste en contact? À peu près 20 secondes. Attends-toi. Si tu pesais moins, tu dormirais plus. T'intéresses-tu toujours autant à la vie sexuelle des autres? Hein? L'heure exacte de la pénétration. 21h52. Bien ce que je viens de trouver. C'est la Tchéka du 21e siècle. Un gouvernement qui espionne ses propres citoyens. Il a utilisé une ligne téléphonique conventionnelle. Quand est-ce qu'ils vont acheter du café qui a de l'allure ici? Regarde, les opérations Internet de la journée. J'en ai deux à 21h52. Robert Leboeuf, 52 ans, qui a contacté un site porno en Hollande à 21h52 exactement. L'autre, c'est un abonnement au nom d'Albert Lamar, un entrepreneur en construction. Lui est entré en contact avec je ne sais pas trop quoi à même heure. Il a coupé le contact trop vite.
Trouve-moi son adresse, ce qu'il fait dans la vie, s'il y a un dossier, le nom de sa femme, de ses enfants, de son chien. Quand tu fais ça, là? Tu cours après la marde? Ils sont peut-être déjà après toi, là. Probablement. C'est malade. Il est né le 12 janvier 47. Il est à l'aise, il a une grosse maison, une grosse voiture. Aussi propriétaire d'une chaîne de clubs vidéo. Il habite à Longueuil, 1656 rue Godefroy. Une femme, Lynn Lamar, 52 ans, puis un fils, Maxime Lamar, 18 ans. Esti d'épais. T'as peut-être suivi jusqu'ici, il y a des caméras partout. Relax, là. Je sais où sont les caméras. Je peux pas passer devant. C'est toi qui me l'as appris. Tu m'as toujours dit que tu voulais faire un dernier coup. Tu te prends pour le martyr des temps nouveaux, c'est ça? Tu penses que tu vas passer au téléjournal? Fuck la TV, man. Le mieux qui peut t'arriver, là, c'est de te retrouver avec une balle dans la tête. Puis moi aussi. Ah, j'ai le moyen d'entrer chez lui. Il est équipé du dernier système de thermopompe électronique. La température est contrôlée par ordinateur. Je peux lui mettre l'air climatisé au maximum à partir d'ici. Joe, vas-y. Il y a un courant d'air froid. Roger. Albert, qu'est-ce qui se passe, donc? Ben, je le sais-tu, moi. Manbush, quelque chose. Hey. Fais simple, peut-être. Système climatique, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Albert Lamar, là. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, j'ai l'air conditionné dans ma maison, là, puis il fait moins 20 dehors. Oui, je peux vous envoyer un technicien dans... Dans une demi-heure, est-ce que ça vous va? Le plus vite possible, là. Au 1656. Oui, ça va, on a déjà l'adresse. Merci. C'est fait. Est-ce qu'il y avait des documents compromettants? Plusieurs. Le nom de tous nos agents de l'Est du pays et des informations confidentielles sur nos activités des trois derniers mois. Le projet d'infiltration de la multinationale d'aéronautique qui sous-doit le ministère des Transports. L'assassinat des fondamentalistes religieux. L'infiltration de la compagnie Biodel qu'on a organisée. Est-ce que vous les avez retracés? Pas encore. On a mis des sécurités sur tous les réseaux de télécommunications à travers le pays. On a bloqué les satellites. Tous nos agents ont été rappelés, tous nos informateurs avertis. Vous comprenez que le budget habituel ne suffit plus. Nous allons immédiatement débloquer les fonds spéciaux. Eh bien, Normand, Nicolas, notre héros, notre champion, fait son entrée actuellement. Il se concentre. Ah, il est vraiment très bien concentré. Et je pense qu'aujourd'hui, il va performer d'une façon tout à fait exceptionnelle. La première épreuve, c'est le zigzag. Oh, fais si bien. La tournante maintenant. C'est tellement rapide. Il a fait des glisses. Les moulets, les fameux moulets. Oh, magistral.
coupé le souffle. Ça semble tellement facile. Non. Le crocodile a toujours été sa bête noire. Nicolas. Yeah. Alors, Nicolas sur le verre. Oh. Attention. Roule. Et c'est un bordel. Non. Golf, la grande petite sportive. Que font les employés d'entretien? Normal. J'ai aucune idée. Mais Nicolas va rebondir, ça n'a pas de bon sens. On le voit, il sort de la voiture. Constant. Chez AGF, après plus de 40 ans dans les fonds communs de placement, il y a une chose que nous avons comprise. Tout le monde finit par prendre sa retraite. AGF, que faites-vous après le travail? Où trouve-t-on l'inspiration? Parfois dans les endroits les plus inattendus. Grâce à une technologie qui repousse les anciennes frontières pour vous emmener vers quelque chose de plus inspirant. Comme le serveur compact ProLiant. Avec son boîtier de moins de 5 cm, il se loge n'importe où. Afin que votre prochaine grande idée voie le jour n'importe où. Bienvenue à la nouvelle TI, la technologie de l'inspiration de Compaq. Radio FM stéréo et fin prêt pour l'Internet, le nouveau Motorola de Fido vous est offert au prix de lancement de $75 après remise. Ben, je t'ai déjà dit de pas fouiller dans les affaires du gouvernement, c'est beaucoup trop dangereux. Si tu penses encore dans les années 60, toi, tu penses que tu peux tout changer? Réveille-toi, la revendication sociale, c'est une affaire, c'est un vestige du passé. Pourquoi tu penses que je vis si coupé de la réalité, moi? Pourquoi tu penses que je sors plus? Ça fait 3 ans que j'ai plus d'amis, plus de vie, plus rien. Parce que t'as des tendances schizophrènes? Non. Parce que 5 ans, j'étais un petit cul comme toi qui pensais que la vie, c'était un jeu. Et toi, tu te rattrapes à un moment donné. Quand tu te retrouves tout seul devant un monstre, soit tu disparais ou soit le monstre t'avale. Maxime Lamar, il y a très peu d'informations sur lui dans les fichiers gouvernementaux. Il utilise pas de carte de crédit, pas de carte de débit, pas de facture enregistrée. Il n'y a pas de permis de conduire et même pas de carte d'assurance maladie. On le soupçonne d'avoir détourné une vingtaine de cartes de crédit de ses professeurs. Il a fait sauter le système informatique de la dernière école qu'il a fréquentée. C'est une vraie tâche. Il est zéro dans tous ses cours. Il s'est fait mettre dehors de 3 écoles déjà. Entre son profil dans le système. Parfait. Bonsoir, suicide pour le chauffage. Hey, c'est 1 heure qu'on gèle. Parfait. On n'a pas payé 20 000 piastres pour que ça fête à moins 20. Vous êtes chanceuse, madame, il aurait pu faire moins 40. Ah, laisse faire. C'est pas réservé. Ça, c'est français? Ah ouais. Ça va-tu être compliqué, ça? Non, ça devrait pas. Non, mais faites ça vite parce qu'on gèle. OK. Allez. C'est la démocratie, la liberté, c'est de la bullshit. Quand tu fuck avec leur système, ils te retrouvent. Ils peuvent te voir marcher dans la rue n'importe où, à n'importe quel moment. Hein, oui, je sais tout ça mieux que toi, là. Les réseaux de satellites d'espionnage qui n'ont jamais été aussi précis, les États-Unis qui contrôlent l'échelon, le système d'espionnage global, le gouvernement canadien qui est à leurs pieds, ils peuvent infiltrer ta vie en quelques minutes, tout le monde est complice, personne ne dit rien.
Les multinationales ont plus d'argent que la moitié des gouvernements de la planète, puis ils sont en train d'acheter l'autre moitié. Je sais tout ça. Je sais tout ça mieux que toi. Asti, t'as la tête dure, toi. Faut que la vérité éclate. La vérité, bonhomme, là, ça, c'est la dernière affaire que les gens veulent savoir. Écoute, il va falloir qu'on vérifie pour toi. On a-tu une garantie là-dessus? Oui, c'est sûr. Ça a l'air d'aller. Oui. Il va juste falloir que je vérifie chacune des bouches d'aération de la maison. Ah, bonne idée. Mais dépêche-toi, là, parce que je suis gênée, il y a de la visite. Ah oui, mais dépêche-toi. Puis t'es mieux de bien faire ça, puis vite à part de ça, parce que sans ça, là, je ne renouvelle pas le contrat, tu compris? Oui. Inconscient, toi, tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Je sais exactement. J'ai tout planifié. Si tu t'es planté il y a quelques années, là, c'est parce que t'as toujours eu peur. T'as déjà lu Don Quichotte, toi? Don Quichotte? Hmm? Non. C'est trop gros, j'ai pas le temps. Tu devrais, bonhomme, pisser ton histoire. Mais c'est quoi, il se bat contre des moulins avant, c'est ça? C'est l'histoire de tout le monde. Dans toutes les situations. Bien sûr, j'ai raison. J'ai toujours raison. Quelle heure? 11h35. J'ai une affaire à régler. Tu viens ce soir? Commence vers 1h. Tu sais que je sors jamais. T'es trop paranoïaque. Prédis bien un peu d'air. Pas sûr de ça. Surtout pas l'air que tu respires. Hey! Fais pas de conneries. Le disque dur de son ordinateur est vide. Il n'y a même pas de programme de démarrage. Il savait qu'on allait venir. Il joue un jeu. Envoie nos agents comme policiers avec un mandat de perquisition qui fouille la maison. Je veux qu'ils vident les tubes de pâte à dents. Trouve-moi ses bulletins maternels, les premières radiographies de sa mâchoire. On va entrer dans sa vie. C'est qui? Max. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Je suis là maintenant, là. Fais ce qu'il faut. Tiens, y en a 500, mais c'est la dernière fois que je fais ça. J'en ai ma claque de tes combines. Hey! Écoute, là, hein? J'ai besoin d'un petit peu d'argent pour ce soir. J'ai pas même le temps de me trouver une jam, hein?
T'as l'air weird à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Faut juste que je me détende un peu. Aussi épais qu'eux autres, je comprends qu'ils soient devenus hackers. À 17 ans, Max s'est fait accuser de trafic de stupéfiants avec une fille. Pascal Salvio. Elle habite au 1970 rue Dorion. Go. Deux villes, deux styles. Maintenant, Prêt vous offre le choix. Prêt 2 en 1 ou les nouveaux Prêt shampoing et Prêt revitalisant en bouteilles séparées. Mademoiselle, vous êtes tout nu? Vous venez de quel endroit? Jonquière. Tu viens de Chicoutimi, tu m'as dit. Qui de Jonquière ou Chicoutimi va avoir les plus beaux cheveux? Ah, c'est Chicoutimi, c'est sûr. Le revitalisant est à base d'eau. Donc, il va revitaliser vos cheveux juste assez. Puis l'excédent va disparaître avec le rinçage. J'aime le volume. Ah, on est belle, hein? Deux en 1 ou bouteilles séparées. Avec Prêt, tout le monde gagne. Pas mis assez d'argent dans le parcomètre, paye une contravention. Échappe la sauce tomate, paye le nettoyeur. Arrive en retard à la garderie, paye une amende. Reçois tes assurances, paye la prime. Amène les enfants au cinéma, paye. Ta fille chiale pour avoir un chandail, paye pour avoir la paix. T'as engraissé, paye la respirez. Paye. Ton fils apprend à jouer au baseball. Avec Belle Mobilité, les appels entre les membres de votre famille sont à 0 $. Ça cogne à ta pas porte. Plus. Paye pour du chocolat. Ta fille, elle est en croche. Paye tes proches. Il ne s'agit pas de jouer avec votre argent, mais de faire un bon à vos placements. Chaque année, les obligations à taux progressif Placement Québec vous offrent un rendement qui grossit parce que vous profitez de taux d'intérêt les plus avantageux pour les 10 prochaines années. Admissibles au boni REER de 1%, les obligations à taux progressif sont garanties par le gouvernement du Québec. Faites le 1-800-463-5229. Placement Québec, c'est dans notre intérêt à tous. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs.